in Colorado. Les parlementaires veulent s'impliquer davantage dans la lutte contre le paludisme afin de faire de ce credo zéro palu une réalité au Sénégal. Pour ce faire, un pacte d'engagement a été signé en présence du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est aller vers la pré-élimination du paludisme. C'est un enjeu ambitieux, mais également à l'élimination totale du paludisme au Sénégal et dans beaucoup d'autres pays d'ici 2030. Et donc, il fallait que nous ayons tous les acteurs. Le ministre est par ailleurs revenu sur les moyens de lutte qui, dit-elle, doivent passer inéluctablement par un investissement sur le terrain. Déjà, il y en a qui ont fait un petit discours parce que montrant leur engagement déjà sur le terrain, soit dans le cadre de la distribution des moustiquaires imprégnés, soit dans le cadre de la pulvérisation au niveau de leur zone, ou bien même d'activités au niveau communautaire. Président de la commission santé, Aimé Assine a réitéré à Awamelikol Sek l'engagement total des parlementaires à œuvrer pour la désintégration du paludisme dans notre pays. Nous avions tenu à marquer justement l'événement. Marquer l'événement parce que pour accompagner les efforts du ministère de l'Action sociale, de la santé, qu'ils sont en train de mener depuis bien longtemps. Au courant de cette année 2016, plus de 8 700 000 moustiquaires imprégnés ont été